Hein, dis putain qu'on sera pas venu pour rien quand même. Voilà, j'ai l'honneur de vous présenter l'équipe de bras cassés. Ah, Dream Team Air. Ça change pas. Il est toujours aussi atteint. C'est ton casque, lui. Bon, mais c'est notre repas de Noël. C'est ça. Quand on va vous le présenter, vous allez dire, putain les gars, ils se font pas chier. Ouais, et finalement, on va quand même à la pêche un peu. Donc, on est là sur le Tarn, sur le barrage de Pinet. C'est ça. Ah oui. Le thermos il flotte. Oh putain, ça fait rire. Oui, mais non, il va monter à la barque. Excusez. Il a pris une belle truitère. Waouh, elle est magnifique. Quoi. Ouais. Joli fario. Je suis content. Oui. Et une belle truite de 50. Voilà. C'est bien. Fario de 50. Qui va retrouver son élément. Hop. Je vais vous montrer quelque chose quand même qui sort de l'ordinaire. Regardez les deux Pères Noël quoi. Regardez les deux Pères Noël. Ils sont pas beaux les deux Pères Noël. Moi c'est le butin du Pères Noël. Regardez quoi, ils sont pas beaux tous les deux. Bon allez, j'arrête parce que bon, c'est bien un moment, mais enfin. Et voilà, Joe, il vient de faire une perche. Voilà, il manquait que le bonnet, une taille là. C'est là, je la sens pas. Comme ça. Ah que t'es mis. Ah, tu crois qu'il va se faire casser la gueule celui-là. Première classe. Allez. Captain Sterling. Les olives. Sterling. Angela. Santé d'Angela. Voilà, santé d'Angela. Tiens, statut d'Angela. Allez, à ta santé. Bon, allez, à la santé. Là c'était Tony cette semaine. Tiens. C'est notre grande équipe. C'est ça. La team Père Noël. La team Père Noël. Les olives. Bon, ça sera pas mal. Et au bord du lac. Que demander de mieux. Bon, on va voir ce que Joe va nous sortir maintenant de la glacière, une fois qu'on a bu l'apéro. Oh, il a pris le fil. Il a pris le fil à découper le beurre. Eh oui, mais Boulard est prévoyant, c'est pas de tarler pour rien. C'est ce que je veux dire. Ouais. Fais voir ce que tu nous offres là. Regardez déjà là-bas, un petit foie gras, un petit peu de foie gras qui est très bon. Magré séché au poivre. Il y a le foie gras. Le matuite de 50 ce matin qui est déjà tranché. Pendant que ça mordait pas, il a tout mis. Il a tout et là, t'as la bûche de Noël. La bûche de Noël. Voilà le menu de Noël. Donc, saumon. Magré, foie gras, du côte de Bergerac moelleux, de 2013. De 2013. Top. Voilà, voilà comment ça va. Les yeux à Bruno. Je vous montre l'état dans lesquels ils sont. Non, moi ça, je suis sobre. Voilà. Chambre. Je vous montrerai après dans l'état où ils seront. C'est pour moi je gère qu'on fait dans les Alpes. Le chambre. Le chambre. Et bon. Vas-y. Mais pensez qu'on est toujours quand même à la pêche. Hein. Ouais, et regardez comment voilà. Il y a la flotte. Est-ce qu'on s'est calé pour en manger. C'est vrai qu'on est en hauteur là. Oh, bien. Oh, putain, c'est ma main. Je vais t'obliger de la lécher.
Allez, envoie ton verre, choum. Tant que c'est ta main. Tant que c'est que ta main que tu lèches, c'est pas grave. Moi je lèche tout. On va pour s'absenter 5 minutes. Ouais, c'est ça. Nous, je suis pas craintif. Non, non, moi je. Bon. Un peu de moelleux. Un petit peu de moelleux alors. Vas-y, serre-toi. Serre-toi. Voilà. Qu'est-ce que t'as dit? Que je le trouvais piquant comme bouche. Non. Le goût d'agrumes, ça. Vas-y, vous allez, il est dégueulasse, il rentre. Il a roté comme un porc. Je dirais qu'un truc, c'est pas du Bourguignac. Voilà, après avoir passé et fait un très bon repas, on repart à la pêche. Les jours où ils changent la batterie et les deux monstres ils s'envolent là-bas.